I have to go to the bathroom. Is that all right? You gotta go, you gotta go. Hey, salut à tous, c'est Dryzor, j'espère que vous allez tous très très bien les amis. Écoutez, pour ma part, moi ça va nickel, et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau commentaire concocté par moi-même pour la Obscure, et aujourd'hui les gars, j'ai plusieurs screens à vous montrer qui ont plus ou moins rapport avec Black Ops 3. Avant d'entamer le sujet, laissez-moi vous présenter le gameplay qui est une petite nucléaire sur Nocturne à la KN44, le tout réalisé par Telium. Donc le petit like pour ce gameplay qui envoie vraiment du lourd, et le petit commentaire pour le féliciter, en plus ça prend 2 secondes et c'est gratuit. Et c'est parti pour entamer le sujet, aujourd'hui les gars, j'ai 3 screens concernant le Dark Mater, mais dans la vie IRL, et sans plus tarder, on va commencer par le premier screen. On peut apercevoir sur ce premier screen une magnifique voiture avec la couleur Dark Mater. De toute façon, je pense que ce camouflage ne se présente plus. Elle a eu un énorme succès sur Black Ops 3. Et si vous voulez mon avis sur cette image, je trouve vraiment cette voiture super belle. Et si j'aurais eu le choix de me la procurer, je l'aurais prise sans hésiter. Pour ce qui est du deuxième screen, on peut apercevoir une arme avec une fois de plus le camouflage Dark Mater, mais dans la vraie vie. Et franchement, je trouve que ça donne super bien. Après, je serais pas vous dire si c'est une vraie arme ou une fausse. Et pour finir, le troisième screen, c'est des chaussures en Dark Mater. Alors là, je sais pas ce que vous en pensiez. Moi personnellement, j'aime pas trop et j'irai sûrement pas avec en cours. En tout cas, toi derrière ton écran, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses de ces screens Dark Mater dans la vie IRL et aussi laquelle as-tu le plus apprécié. Je te fais confiance pour me répondre dans les commentaires. Et puis voilà, cette courte vidéo va prendre fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, le petit like qui fait toujours plaisir pour récompenser le travail fourni durant cette vidéo. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner à la Obscure et à activer les notifications, comme ça au moins vous serez au courant dès qu'on sort une nouvelle vidéo. La chaîne du player ainsi que la mienne seront en description. Allez-y faire un tour, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée. Ciao ciao, peace out les gens, c'était Dryzor.